Nous sommes en football très attaqué dans la longueur de 6 semaines. Je vais vous montrer. Voilà, mais faites ma liste. Je dois avoir un je ne suis pas un expert de 6 semaines. Ça demande pas cher. Tu vas chercher vous. Donc, tu vas acquérir ma liste de l'école pour faire la bouche à l'information. La formation à un côté, et une riche formation. Donc, la formation à un côté. On a la femme de formation à un côté. Donc, la salle de l'Algérie, elle a acheté des armes et des armes de solo ou une gilet de marché. On a eu une date sous forme de formation. Donc, je ne suis pas expert en ce semaine. C'est un domaine très compliqué, je dis. Ça demande pas de choses. Hajj al-Wahid, il fallait que nous le marions choisi. Ensuite, je trouve. Bernard, c'est une bonne mystique. Mais on va faire le mari. Regardez que nous faisons une intervention à l'autre, mais on va faire le mariage. Le verbe, le gâteau, ça fait un peu de temps, c'est ici. Non, je n'ai pas d'accord avec le barème. Ça a été toujours mal avec le monde de Manar, je me trouve, qui me dit. Donc, on va pas faire une intervention au pays. Mais moi, les médecins, nous pouvons faire la même chose avec le pays de l'enseignement secondaire que j'ai mis. Non, pas comme le faire, je peux, ou comme le faire, je ne peux pas le faire. Et on dit, quand même, je peux faire le passage des générations de l'État qui m'a appelé, je dis. Et si c'est bien qu'il dit, on traque, je ne peux pas le faire de la semaine. Ou j'ai défendu la chose. Alors, on a dit, je ne peux pas le faire. On a dit, un de quelqu'un, je souhaite que la tête, on a dit, je ne peux pas le faire. D'après l'analyse fonctionnelle, on a dit, chaîne d'information, chaîne d'énergie. Si vous êtes le barème sur la phrase de Mali, il faut appeler Mali, il faut le programme pour me réviser. Si c'est même Mali, elle remplace tout ça. Mais quand on a refait l'analyse fonctionnelle externe, l'analyse fonctionnelle de cœur, au final, on a fait ça, il y a Mali, il y a le Hège, ce qui devient dans le produit. Elle dit que le projet pratiquement, mais en fait, on a fait un peu de on voit tout ça. Dictez la même chose. Donc, allez, on parle de l'OX, globalement. Est-ce que mobilisation du système complexe avec ce système, et pour l'art de ce n'est pas ce qu'il y a, qui a vulgarisé un peu dans ces 6 semaines. Qui fera ça? C'est un langage, ma cour, même d'informatique, du IML, force plusieurs diagrammes. Le mestre de mestre à 6 semaines, en 2007, a mis 9 diagrammes, même à partage. Il y a un diagramme équipé pour le mécanisme, l'électronique, pour l'automatisme. Donc, je vais essayer de l'homme, à ton cas-là. On ne va pas s'intéresser à un diagramme, du diagramme comme diagramme. C'est compliqué, c'est pour diagramme, c'est mon assain. Donc je vais passer en revue le pourquoi du système, c'est quoi l'ingénierie système. En même temps, les 9 diagrammes, les 9 diagrammes, 8 diagrammes, ça dépend. Je vais m'installer en enseignement secondaire, en enseignement de base. Il y a une autre chose d'autre, qui est absolument globalement comme l'équivalent. Une taille technique à PQE, la PQE est l'agent de polytechnique d'entreprise et de faire DataCom, ou faire Pure, ou faire FAS, ou faire TTP, ont été remplacés par d'autres diagrammes, et on a des diagrammes, c'est similaire. Donc je vais essayer de présenter les diagrammes là, nous sommes en détail, nous faisons tous les détails, alors ça demande au moins, est-ce que pour chaque diagramme, au moins, pour avoir une idée, suffisant pour pouvoir dire que l'arbre choisit ses semaines. Mais on a un travail, on a un travail. On dit que Marie, tu dois faire une fille de 6 semaines qui suffisent pour les fusos. Donc ça ne demande pas chaque fois. L'objet, c'est que nous avons une intervention.
Bien dans notre collège, tout le système, félicitez tout le système. Moi, beaucoup de fois, sur un sujet global, je parle de chauffeur de la parole, je suis bien aimé, mais grand d'argent. Non, on a fait beaucoup de fois, c'est que le sujet d'énergie, la scène de l'énergie, on a déjà été dépassé. Grâce à tout, on a dépassé la chaîne d'énergie aussi de la formation, pour passer à d'autres présentations, à d'autres mobilisations. Et il s'est offert actuellement l'industrie bas. Donc on va essayer de prendre un peu de telle façon à voir, c'est tout le monde sur Internet. Aujourd'hui, énormément de ressources sur Internet. Donc là, je me rends totalement, on fait plusieurs logiciels, on va être massivement en bas. Je vais prendre manuellement les dégâts dédiés. Et maintenant, je vais faire des logiciels dédiés. Au diagramme CCMR, le diagramme CCMR, ou bien le VAT, ou bien l'UMR, ou bien le VAT. Donc je vais commencer. Seulement 16% des projets sont terminés par le respect de l'échange. Une jambe de projet qui est un parateur qui seulement 16% reste dans le respect du temps et le respect du échange et le respect du budget alloué de le projet. C'est pas ce qu'il n'y a pas. Donc, ça m'a un problème. Et d'où est-ce qu'on a un problème? C'est également un problème. Moi, je suis bien. Est-ce la société de pensée pour entreprise basée sur vos statistiques? Donc, il y a un autre statistique de plusieurs technologies. Automatisme, électronique, logiciel, les matériaux, ou internet. Donc, finalement. Un problème, ça me rappelle un point moyen, on a fait une technologie moyenne qui n'a pas été, elle n'est pas bien saisie ou elle est bien maîtrisée. Manque de ressources, délai non réaliste, la malade a pris un délai pour réaliser un projet, et délai pas réaliste. Vous savez que si vous êtes battre 6 mois, là, vous savez que vous produisez. Et bien 6 mois, elle ne suffit pas pour réaliser ce produit-là ou bien ce projet-là. En tant que réaliste, voilà tout ce qu'on a fait pour les projets. Il ne faut pas être réalisable. Donc, là, on est un échec des femmes. 16% d'âge des projets matraqués aboutissent. Donc, l'énergie, c'est que l'on a ce qu'on appelle l'ingénierie système. L'ingénierie système, elle s'intéresse à tout le produit, mais depuis une partie de la fête. Nous ne sommes pas un terrain. Nous ne sommes pas un terrain. Nous ne sommes pas un terrain.
trabalhar por subir. Então, vejo que o sistema se interessa por isso. Então, que ele define como então? Tá? L'ingénierie systémique, une approche scientifique interdisciplinaire. Mais pour que la formation soit obligatoirement plusieurs disciplines. Agir de la femme à Hatha pour lui, pose une seule discipline. C'est un peu une manière intéressée par une seule discipline. Et quand on a le smartphone, il y a plusieurs disciplines qui interviennent pour réaliser ce problème. Bon. Donc l'ingénierie systémique, une approche scientifique interdisciplinaire. Donc le but est de formaliser et d'appréhender la conception de systèmes complexes avec ce sujet. Le but d'ingénierie est donc l'analyse des échecs antérieurs, à la probabilité et la parodie, donc on va faire une analyse, afin d'apporter des solutions pour éviter qu'ils ne se reproduisent. Avec une définition d'ingénierie système. Pascal Roth, il définit l'ingénierie système comme étant une démarche méthodologique. Elle est réagée en 2007 par Tandre, elle est normée, par Tandre nord-pienne, elle se met les autres en 2008, pour maîtriser la conception du système et produit en texte. Donc, l'ingénierie système en définit qui régissent cette ingénierie système. Donc, pas mal de systèmes, mais je m'en ai un système. Alors, une chose pour dire, nous qui m'avons un système technique, ça fait longtemps. Alors, je viens d'un livre de système technique, c'est un domaine de plus. Néanmoins, vous pouvez avoir un système technique, c'est un petit peu. C'est mon microscope. Pour jouer le domaine, il y a un système. Dans les systèmes, le système est pour l'analyse systémique. La système pour l'analyse systémique, il fallait faire autrement. Il fallait que, quand tu abordes un problème mind, tu l'abordes autrement. Maintenant, la système, à ce type de modélisation, matière de grand grand, matière de ressortant, comme on a acheté, voilà, voilà. Maintenant, on a dit, il était bien, je vais le donner, et le jour, il y a des systémiques de France, et au lieu de me faire une grande américaine en 47, la systémique de tout savoir, il va travailler en effet. Maintenant, on se fait, il y a des années qu'on peut faire, on va dire. C'est une autre façon de penser. Maintenant, on va faire l'homme, on va faire les choses. T'es qu'une école, hein? Tu vois, il dit maintenant que je suis un cartésien. Vous direz maintenant que Descartes, votre frère, la méthode cartésienne, j'ai le monde est plus complexe que cause, la tique est fait, pas mal, cause, boucle, vous avez fait, la tique est fait, même tout le système de vie. Maintenant, nous avons fait que la cause, ça m'a la cause, le microscope, ça m'a la causalité lumière. Il y a un peu de sang français, il y a une opération pour nous, il y a une opération. Il y a un endroit malade. Ma fille, ce matin, je disais, il y a une vérité que je suis en train de faire. Ça me fait penser. Il y a un malade, il y a une vérité, il y a une vérité. Voilà, on dit que le quatrième nombre de malade. Parce qu'on veut le nombre de l'organisation mondiale de la santé. Et là, on a une épidémie par la base de la chambre. Si on a une maladie qui se dérive, il y a une épidémie aussi. Paf, frère, on a pulvérisé la DDT. Pas pour le DDT. C'est une épidémie pour le DDT. C'est une causalité immédiate. En des maladies, il y a une épidémie pour le DDT. Est-ce que vous parlez en tout cas? Vous l'avez dit pour la systémie, pour que l'on ait une pensée systémique. Est-ce que vous parlez? Pourquoi? Quand vous faites une guerre, Je suis venu à Borneo.
Qu'est-ce que je pense que c'est ce que je suis dit? Mais qu'est-ce que je fais avec les gens qui ont donc, pour te rendre, il y a des délégués. Donc, je suis dit, donc, je suis dit, quel temps, pour faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Je suis dit, on va faire ça, on va faire ça. Je suis dit, on va faire ça. Je suis dit, je suis dit, donc, le guerre pour que le visa tape la fin de la Palestine. Vous avez la cumule, t'as des détails, des détails. On garde tout ça dans le monde. Là, on met tout ça dedans. Qu'est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'on fait? Le parceau, on va faire un peu de chèque. En même temps, on va prendre la peste. Parce que nous parlons. Vous autres, si vous parlez de ma chère cité, la pensée est causée. C'est des mots parfois la définition. Il faut qu'un système n'est pas ensemble d'éléments en interaction dynamique, organisé en fonction d'un but. Avec définition, la table jouée de l'homme. À titre de l'art, c'est un ensemble d'éléments. Éléments en interaction, analyser les mots car ou faire mon rap. Interaction dynamique, organiser les mots car. C'est très important. Quand vous me voyez que le bas est un peu vert, un peu vert. C'est l'approche systémique pour vivre. La norme NF, NFE, norme française, définit un système technique comme un ensemble d'éléments interconnectés de façon qui se coordonne pour réaliser une tâche précise. Donc, vous remarquez, c'est toujours un ensemble d'éléments, à ma femme, elle interfère l'interaction. Le Mazak, elle définit ça. Un système est un ensemble de composants intervenants. Qui interagissent les uns avec les autres, donc faire toujours l'interaction, pour réaliser d'une manière organisée pour accomplir une finalité commune. Donc faire toujours le but. Au bas, un poste, ce que je prends, un système est un ensemble d'individus d'éléments qui accomplissent un objectif défini. C'est le Conseil international de l'ingénierie système. Donc, pour faire quoi, quand je t'appelle un système, c'est un ensemble d'éléments plus un ensemble d'interactions. Et les marques, je vais aller dans le frère, les analyses du temps, la marque de temps fait partie de l'eau, et les rires, c'est la somme de composants. Tout ce qui est interaction avec les composants, je vais aller dans le frère. Mais si c'est même pas une étape, il faut changer ce vide-là. Alors, tu vois, les femmes des interactions, on s'intéresse aux interactions. C'est le rôle le plus important à fermer les composants. Donc, les systèmes, parfois la classification, les systèmes sont définis en deux sortes de systèmes. Un populaire, système nerveux, le système solaire, le système immunitaire, etc. Ou un système artificiel. Donc, le système artificiel, imaginez pas, non, c'est quand on dit un système artificiel, obligatoirement, je n'imagine pas, non. Ils sont divisés en trois catégories. Un des systèmes manuels,
Not a fearless testimony. Some objectively. Some honor the system mechanism. Donc, il y a des choses qui font la différence entre un système et un système, c'est l'énergie. Un système élémentaire, ou bien manuel, c'est un système qui prend son énergie de l'homme. Mais je suis un gosse large, une pièce, donc j'ai besoin de cigarette, donc l'énergie est donnée par l'énergie musculaire par l'homme. L'énergie, pas forcément un système mécanisé, primatour, forceuse. Donc, l'énergie, elle est le réseau de la tête, où l'homme fait toute sa tâche, par exemple, qui va manipuler le forêt, etc. Pour les systèmes automatisés, donc, la source d'énergie est extérieure au système, et l'homme ne fait que dialoguer avec la machine. Donc, la machine ne fait tout. Voilà. Donc, ce sont les trois systèmes que vous connaissez. Donc, vous êtes actualisé. Alors, qu'est-ce que le complexe? Complexe est un moratoire à la chaleur. Par contre, compliqué, ça y est. On confond compliqué avec complexe. Donc, je peux avoir quelque chose de complexe, qui m'aide, ou des complexes. Alors, le dernier, les derniers, car ça me fait, je suis dit, la belle. Je vous parle de l'autre. N'importe qui, voilà, en tout cas. Il est complexe, mais il n'est pas compliqué. Donc, son utilisation, il est simple. Et là, je me suis donc, faire une différence entre complexe et compliqué. Il faut faire la nuance modulaire. Quand on parle, la semaine dernière, par exemple, d'un distributeur du pays, c'est un système complexe. Ça reste un système complexe. C'est un chauffe de composantes au niveau supérieur, jusqu'à des vivants, jusqu'à des familles, jusqu'à un système mécanique qui va distribuer l'argent, jusqu'à un logiciel qui va piloter tout ça. Donc, il faut intervenir plusieurs domaines technologique, nous avons la génie logicielle, la génie mécanique, la génie électrique, l'automatisme, génie matériaux. Donc, ça englobe plusieurs matériaux complexes. Alors, on a fait quelqu'un pour battre pour le programme de la même, deux systèmes de force, un d'arrangement. La génie n'est pas compliquée. Il suffit de faire entrer un corps pour avoir les opérations qu'on fait les aujourd'hui. Donc, ça, c'est la différence entre le complexe et le compliqué. Donc, là, on va s'intéresser au système complexe. Tout ce qui est système compliqué, il est en bas. Le processus. Dans le thème de votre formation, dans l'analyse fonctionnelle, on a passé tout le monde d'un produit, même de l'analyse du besoin, à tel que c'est pas interbable, pas de la faisabilité, la conception, la définition, etc., de produits, l'homologation, etc. Donc, cette classification-là, faite aujourd'hui, Marit, l'ingénierie système, et à quoi classification, offre, ESMA, classification, le site en B. Maintenant, le produit va passer par deux phases, disons. Une phase descendante ou une phase ascendante. Au moment de la phase, c'est la réalisation, la fabrication, la construction du produit final. Donc, ça a des interactions, mais pour l'étape. Donc, qu'est-ce que tu as dit, mais généralement, on va faire l'analyse de besoin. L'analyse de besoin, dans laquelle on va parler de fonctions principales et de fonctions contraintes. Et les finances du système à Charpolais, on va parler d'exigence. On a dit, je vous dis, fonction d'usage, ou la fonction principale, la fonction pour le problème. Une exigence pour total de dette. Une exigence pour l'arbitrage, même en cas pour total de dette. Donc, ça commence par quoi? Ça commence par l'expression de besoin. Donc, l'expression de besoin, comme les exigences d'utilisateurs. L'utilisateur, il veut être pour le produit, il y a un critère, C'est la même façon, la même chose que avant, maintenant je change de. Voilà, des exigences. Après, il y a un environnement d'un système, donc c'est rien. Marque pour phase descendante. Hop. Une autre exigence utilisateur. Et il y a rien en face d'un test de qualification. Vous avez une flèche, une lunette. Mais à chaque fois qu'il y a des exigences, il faut les tester. Il y a rien.
pour voir est-ce que le produit final, si on a produit final sur la famille, est-ce que le produit final, il a respecté les exigences utilisateurs ou les s'il n'a pas respecté les exigences de l'acte, il ne sera pas validé. Donc, ça m'envoie une erreur. Il y a une exigence système qui fait. Je suis de là qu'il y a un système dont ça n'est pas été, à ma charge interne, au centre, etc. Est-ce qu'il est validé ou non? Quand il n'est pas validé, je dois voir. Je n'ai les exigences de l'année, ou je n'ai les tests à chaque fois. Et je lui dis qu'il est en fonction des tests que je fais là. Exigence sous-système. On a demandé un système, hein? Il est composé de sous-système. Fictive. On doit le vérifier, le tester et le valider. Oui, exigence composante. Donc, vous remarquez, d'ailleurs, une phase descendante, type d'expression de besoin, ou l'exigence utilisateur, à tête pour cette exigence composante. Ah. Et du haut, à la résistance, chaque fois, il y a un test de vérification et on va bien prendre la phase descendante et la phase ascendante. Donc, une phase, et le une phase avec a été testée et validée. Mais si je suis composant, maintenant, exigence composant, pas tel qu'on n'a pas quel composant, que j'ai l'air de même, un des pieds et un des composant avec. Donc c'est perte de temps, perte d'argent, on a joué avec 16%, le projet n'a pas tout. Donc chaque fois, je dois faire ce va-et-vient entre une deux phases de temps. Donc là, on a les exigences. Donc, modéliser à l'aise. Pourquoi modéliser à l'aise? Pas un modèle. Les systèmes techniques rencontrés dans la vie courante sont de plus en plus complexes. L'intervention d'ingénieurs et constructeurs qui divers horizons nécessite un langage commun. À l'espace, il y a un modèle. Donc, il y a un chimiste, un électronicien, un mécanicien, un logicien. Tout le monde est là pour sa façon de modéliser les choses. En tant que langage commun. Donc, ça me montre ta compréhension de ce que donc, ne vous pas, donc, ça me perd de temps. Donc, ça me perd de temps. Le temps, c'est de l'argent. Donc, il faudrait avoir un langage qui va nous coûter. Le même langage utilisé par l'agriculture de l'ingénierie système, c'est l'interdisciplinarité. Il y a plusieurs disciplines, nous allons voir. Donc, voilà, je suis permis de pouvoir parler à la même langue. Donc, tout l'outil commun est le système. Donc, donc, tu as là, le besoin de terre, tu as là, tu peux le faire. Donc, c'est quoi le système? Système, on va dire, on va dire, est un langage, définition de terre, est un langage de mobilisation du système. Basé sur le langage lui-même. Donc, tout ce qui est informaté, un de nos langages, c'est le lui-même. Il y a un ingénieur logiciel, il y a quoi pour dire? C'est moderne même. Si je veux que mon langage c'est lui-même, on va le repasser. Voilà, même aussi c'est lui-même. Il est créé en 2001, j'ai une classe, et normalisé en 2007, ils ont 15,88. Alors, c'est pas que c'est lui-même. Norme internationale de garde sur la norme de 15,88. Il s'intéresse à la spécification, l'analyse, la conception, la vérification et la validation du système complexe, intégrant plusieurs champs d'activité industrielle. L'approche interne, c'est une approche tridimensionnelle, c'est l'approche fonctionnelle, l'approche structurelle et l'approche comportementale. Des approches qui sont en train de faire une fusée mécanique, une fusée électrique, une fusée électrique. Pour l'approche, on a un diagramme. La norme définit des diagrammes systémiques, nombre 9. Un de 9 diagrammes systémiques. Pour des raisons pédagogiques et didactiques. Dans d'autres diagrammes, le trap, il est vraiment plus conforme à la systémique. Allez, c'est un très bon attaque. Ça fait des années qu'on a annoncé la culture. Année, une vingtaine d'années, mais c'est un peu comme le bataclan, un peu comme le pleuve, etc. Donc, je suis une rupture directe. Je suis un langage complètement différent.
Donc, pour avoir une certaine continuité, il y a des graves en tant que thématique. Au niveau du bâtiment, il y aura des grammes de contexte ou des grammes de l'ENIA qui a besoin de besoin initial, l'approche. Il y a un bâche de tenir, il y a un bâche de stade, mais il faut pas prolonger sur le verre. Donc, je répète que les grammes de CCMR sont composées de 9 dégrammes. Dans les deux dégrammes, il y aura nous sommes CCMR, mais c'est un homme CCMR. Au niveau enseignement, nous sommes au niveau industriel. L'industrie, ça n'a aucun plaisir. Donc, les diagrammes, vous m'avez dit souvent, quand je vais parler des diagrammes CCMR, bon, l'année, comme ça, l'utilité, trois fois par rapport. Donc, l'année, définition cœur, le CCMR est un outil graphique, est un ensemble d'outils graphiques, dont les diagrammes, qui permettent le constructeur du système 2. Bâtir un modèle spécifiant au mieux le système, simuler et valider le comportement du système, concevoir et analyser la structure d'un système, intégrer le tout, composant logiciel, énergie, utilisateur, flux d'information, dans un même support, les fameux. Il facilite la collaboration entre les diverses spécialités, il facilite l'intégration des différentes composantes techniques du système et permet à la fin de valider par simulation une solution technologique appropriée ou bien adoptée. Donc, avant, globalement, la définition du CCMR. Les diagrammes, les hashtags. Donc, alors, les diagrammes, on a le point de vue comportemental. On a le diagramme, un diagramme de l'un, c'est le diagramme de capitalisation. Dans l'anglais, le space diagramme, noté par QC. D'ailleurs, la notation est juste un peu en bas. Donc, il faut la retenir et elle est dans un peu en bas pour l'anglais. Dans ma voix, c'est le diagramme de cas d'utilisation. Dans mon deuxième diagramme, c'est le diagramme de séquence. Un troisième diagramme d'état. Ou un quatrième diagramme, le diagramme d'activité. Dans ma voix, les quatre diagrammes qui s'intéressent au comportement du système. On a le point de vue structurel, on a des grammes de définition de bloc, BDD, des grammes de bloc interne, IBD. Alors, le deuxième grammes de grammes, je laisse le test avec le troisième point de carrière, et AVU, le FAST. Nous sommes plus riches que le FAST. Alors, le FAST, c'est un IBD. À peu près, il y a des équivalents, car la porte de la grammes de bloc interne, il y a des le flux d'informations, d'énergie, de matière qui se passe entre les différents blocs. Donc le flux qui se passe entre les composants d'un système, ils sont plus visibles qu'un diagramme hybride. O rolo é coisa do rolo, né? É a aula que eu faço. A nossa notícia está no fundo. A minha rede é o que eu chego de novo no rolo. Também está no fundo, está no fundo. No degrau paramétrico, no degrau do patrão. Bom, no teu degrau está no fundo, não sei nem. A minha deixou tu mesmo, só a fundeira do Francisco, do erro, né? Se o degrau nada. Vamos fazer um bom compromisso com ele, né? Donc, le paramétrique peut-être, on a vraiment peine un taux à avoir un choix, et déjà, on sera un autre patrimoine. C'est un diagramme structurel. Donc, il y a un paramétrique qui s'applique les paramètres de point physique de profondeur diagramme. Vitesse, on a acheté tout ce qui est calculé, le plan dynamique, le cinématique, le cinématique, le patron. Vous voyez que le diagramme de Fien, le niveau diagramme d'exigence, et les rires, l'équivalent d'un cahier de charge. Donc, là, je remplace le cahier de charge fonctionnel. Ça me donne deux diagrammes clés. Un diagramme, ça correspond au diagramme de contexte. Et le niveau, comment faire un nouveau produit dans son contexte ou bien dans son environnement. Donc, je vais les savoir.
Si tu es CCMF, ça c'est très important. Je suis CCMF. Mon sous-serein. C'est un langage d'utilisation, donc un stade. Un outil de spécification d'analyse de construction, de vérification et de validation de système qui comprend le matériel, logiciel, données, compréhensibles, procédures, réinstallations, projets. Un langage normé qui possède une sémantique de notation. Très important. Alors, un sémantique, une pêche, etc. Un de l'eau. Ou un d'une norme qui l'origine. Un MCS qui ne sait pas à quel. Quand on voit pas le diagramme, il y a un meilleur. Il faut se montrer. La dame est ma forme moyenne, je ne me trompe pas. Je suis un mouchou, si c'est bien. C'est pas une méthode. Mouchou, méthode, si c'est bien. C'est un langage. Il n'y a pas d'ordre dans l'établissement du diagramme. André Schroeder, le CCM, le temps de diagramme de contexte de l'OLM, va attendre une idée. André, il n'y a pas d'ordre qui t'a dit. Ce n'est pas une méthode. Donc, je fais ce que j'ai dit, qui a amené les programmes. D'accord, l'ICR est calme. L'ICR, le diagramme, si je mets une série, dans le registre de diagramme, qui le fait? Donc, il n'y a pas un ordre qui t'a dit, il y a une idée de votre contexte, pas de l'exigence, pas de cadre d'utilisation. Là-bas, on a fait état, on va le marquer. Bien que le contexte, pas le cas de l'exigence, pas le cas de cas d'utilisation, pas le cas de séquençage, pas le cas de BDD, de diagramme de bloc interne, pas le bloc, pas le bloc interne. Ce n'est pas un outil de créativité. Mais je vous ai compris. À cette phase, maintenant, la différence avec le phase. Le phase, nous avons deux phases. Un le phase descriptif. On définit un système qui existe, le first créatif. Il dit, oh, le système n'est pas là, c'est un jour, donc je vais essayer de le créer. Donc, là, je n'ai pas un first créatif, puis là, je n'ai pas un first descriptif. Et les RIF, l'ordre dans l'ingénieur du système. Nous savons, l'ingénieur du système, RIF, Foster, là, l'ingénieur du système est là, le trop ingénieur. Je suis là, trop ingénieur. Maintenant, le système existe, là, bonjour, je vais le créer. C'est la trois ingénierie. Ou l'ingénierie du système, il y a un jour, mais il y a un chantal. Donc, ça va être la nuance là. On n'attend pas de solution technique. C'est-à-dire une solution technique.